Nous demandons, Seigneur, que cette parole ne passe pas, ne nous dépasse pas, sans avoir aucun effet sur nous, mais que cela impacte toute vie, toute famille, tout ministre, et que cela impacte toute l'Église au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 21. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et 33 dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dans le passage que j'ai lu, le Seigneur nous a donné une attente et la stipulation et la spécification divine pour la famille chrétienne, le mari, la femme, et dans leur communion, dans leur relation tout ensemble. Et le Seigneur espère que cette partie de la parole de Dieu qui va du commencement de la Bible jusqu'à la fin serait pris à cœur par chaque croyant, par chaque ministre. Et que la famille du ministre lui-même soit selon le standard de la parole de Dieu. Sinon, comment le ministre sera en mesure d'enseigner efficacement ce que Dieu espère de toute famille? Et ici, nous avons vu l'attente du Seigneur. On a vu l'objectif, le plan, et nous avons vu la prescription qu'il a faite pour chaque famille. Et Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Tite 2, versets 4 et 5. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, et il s'adressait aux femmes âgées dans l'église ici, c'est-à-dire dans ce passage, c'est-à-dire eux-mêmes, elles doivent avoir de bonnes familles, une famille pieuse, parce qu'ils ont une famille pieuse. Alors, ils peuvent maintenant, par expérience, ils peuvent maintenant, par l'enseignement de la parole de Dieu, transmettre cela aux jeunes femmes, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et puis, 5 dit, à être retenues, chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Nous revenons à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 1. Les enfants font partie de la famille. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce soir, nous allons voir la parole de Dieu sur l'objectif et le plan divin pour la famille pieuse. L'objectif et le plan divin pour la famille pieuse. Nous allons voir trois points. Premier point. Les sept colonnes dans une famille pieuse. Les colonnes sont très importantes dans un bâtiment, dans une maison. Les colonnes sont très importantes. Si les colonnes sont
détruites, si les colonnes sont rongées par les termites, si les colonnes s'effondrent, toute la maison ne peut pas se tenir. La Bible nous a dit que les colonnes que nous avons dans la maison de Dieu, dans la maison de foi, dans la famille, premier point, les sept colonnes dans une famille pieuse. Numéro 2, le partenaire supporteur pour une plus grande fécondité. Avant que vous ne vous mariez, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fructueux, vous êtes fécond dans chaque domaine de la vie, spirituellement, professionnellement, dans l'œuvre de votre mère, vous êtes fructueux et fécond. Maintenant, Dieu veut que vous ayez un plus grand accomplissement, une plus grande fécondité. À cause de cela, il vous donne un mari, une femme, pour vous soutenir, pour vous supporter, pour vous aider à avancer, à monter plus haut. Deuxième point, le partenaire supporteur pour une plus grande fécondité. 3, les préservatifs spécifiques pour un futur glorieux. Il y a un futur pour tout le monde. Le futur que Dieu a pour tout le monde doit être glorieux, un futur heureux, un futur agréable, un futur allègre, un futur qu'on dit que ça c'est mon rêve, ça c'est mon désir. Il y a un futur sur la terre, il y a un futur là aussi dans la gloire. Donc que nous passions au futur de la terre ou à l'autre futur après la tombe, après l'enlèvement, il y a un futur glorieux. Et il y a des préservatifs spécifiques, des choses que vous faites pour préserver ce futur que Dieu a pour tout le monde, dans la famille aussi. Et les préservatifs spécifiques pour un futur glorieux. Premier point, les sept colonnes dans une famille pieuse. Je lis de Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Vous voyez la famille, vous voyez la maison, vous voyez toute la maisonnée. Vous voyez, oui, sept entités unies. Le mari, la femme, les enfants, le père, la mère, les enfants. Et c'est dit, et si cette maison va tenir, va se tenir sur un sol solide, va se tenir de façon inébranlable, et que toutes les vicissitudes de la vie, les défis de la vie vont souffler contre cette maison, et cette maison va bien se tenir, et que les torrents, les ouragans qui vont souffler contre cette maison, alors il faut qu'on connaisse ces sept colonnes qui supportent la famille, qui garde la famille, qui maintiennent la famille inébranlable, ferme. Et dans Proverbe 9, verset 1 dit, la sagesse a bâti sa maison. Alors il faut la sagesse de Dieu et non celle du monde pour bâtir la maison, pour faire une maison et pour développer la maisonnée. Elle a taillé ses sept colonnes. Numéro 1. Les sept colonnes dans une famille pieuse. Quelles sont ces sept colonnes? Nous retournons à Éphésiens chapitre 5. On voit les sept colonnes dans une famille pieuse. Comprenez que lorsque vous avez sept colonnes supportant la famille ou supportant la maison, alors c'est seulement une. Si une colonne manque, si une colonne est détruite, si une colonne est abattue, si une colonne est rongée, alors cela va affecter la stabilité et la solidité de cette maison, de ce bâtiment, de cet édifice. Donc là où trois ou quatre colonnes sont abattues, alors deux colonnes restent, alors cela ne sera pas en mesure de garder le bâtiment. Donc toutes les sept colonnes qui nous sont révélées pour garder la maison, les sept colonnes dans une famille pieuse. Numéro 1, l'amour. Numéro 1, l'amour. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église. C'est une colonne dans chaque famille. C'est la colonne qui soutient la famille, c'est la colonne qui soutient la maison. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais ce n'est pas un amour unilatéral. Ce n'est pas le mari qui aime la femme ne l'aime pas. On dit que les femmes là, on ne doit pas les enseigner à aimer, que les femmes aiment naturellement. Ce n'est pas vrai. Tite, chapitre 2, et nous lisons verset 3 jusqu'au verset 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. C'est-à-dire que les dirigeantes de femmes à l'église, ceux qui sont matures, mûres dans cette course avant que les jeunes femmes ne viennent dans la course, et ceux qui se sont mariés ont des familles, ont supporté leur mari, alors ils ont manifesté la qualité d'une femme chrétienne. Maintenant, comme elles sont plus âgées, et alors qu'elles enseignent les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent enseigner les jeunes femmes? Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. Nous ne parlons pas d'une maman qui aime naturellement ses enfants, une mère qui aime naturellement ses enfants. On nous a dit dans l'Écriture que voici l'Écriture. Nous devons voir l'Écriture et l'amour dont il s'agit, ce qu'on doit avoir. Ce n'est pas dire que je t'aime. Quels sont les composants de cet amour et qu'est-ce que l'Écriture espère de l'homme, de la femme, qu'il s'aime. Et verset 5 dit, à être retenu, chaste. Cela fait partie de l'amour démontré envers le mari, occupé au soin domestique. C'est l'amour envers le mari. La femme ne fuit pas le matin et elle revient trop tard la nuit. Et le mari et la femme là se voient difficilement. Il n'y a pas de communication. Occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Une colonne est l'amour de Christ, l'amour venant du cœur de Christ aux croyants. Nous voyons Éphésiens chapitre 4, 31. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est un côté de l'amour. L'absence d'amertume, l'absence d'animosité, l'absence de clameur, de crier sur l'un l'autre et l'absence de méchanceté. Vous rêvez le matin, vous aimez votre femme, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de rancune. Vous aimez le mari, la femme, les enfants. Donc, il y a l'absence de toute attitude négative. Voilà le côté positif de cet amour. 32. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez prévenants. Pensez aux bonnes choses que vous allez dire. Et pensez aux bonnes choses que vous allez faire. Les petites choses, de petites gouttes d'eau forment un océan. Une petite goutte d'amour, de compassion. Et c'est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement. C'est-à-dire que vous ne gardez pas l'offense. Mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, mes enfants ont fait ça, mes parents ont fait ça. Et la famille est devenue un champ de conflit, de bataille, et un champ de conflit, de représailles. Je me rappelle ce qu'il a dit de ma femme, je me rappelle ce qu'il a dit de mon père, de ma mère, et il va en souffrir. Je me rappelle la façon dont il s'est rendu comme un étranger, un tyran à la maison, je vais lui repayer la monnaie. C'est dit ici que vous pardonnez réciproquement comme Christ vous a pardonné en Christ. Alors, c'est une colonne. Et cette colonne est l'âme. Et ceci n'est pas quelque chose qu'on apprend seulement, qu'on lit seulement, mais c'est quelque chose que volontairement, pas la volonté, vous dites que je vais l'aimer. Pas votre volonté, je vais l'aimer lui ou
le mari ou la femme, c'est une détermination, c'est une décision. Et nous allons prier que tout ce qui va contredire cette colonne pour abattre cette colonne dans votre famille, que cela ne va pas se tenir, vous serez plus fort que la termite plus grand, que la termite plus grand, que la chose qui viendra dans la famille, qui essaie d'abattre la colonne d'amour. Voyons Cantique des Cantiques 8. Cantique de Salomon 8, verset 1. Cantique 8. Cantique 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand, mais l'amour que vous avez pour le mari, pour la femme, ce n'est pas quelque chose de dormant, de quelque chose de mou, mais c'est quelque chose d'inflammable, quelque chose de brûlant, d'ardent. Vous voyez, tu ne veux pas dire que mon mari, je t'aime, mon mari, tu ne me demandes pas l'amour, c'est parce que je dis, cela paraît que je n'ai pas, je ne t'aime pas, mais dans mon cœur, je t'aime, l'amour est profond, je ne peux pas l'exprimer. L'amour est si profond que tu ne peux pas le voir, mais il faut l'accepter par la foi. Non, c'est quelque chose qui est comme une flamme, un feu qui est ardent. Verset 7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Nous parlons de l'amour de Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église. Et s'est donné lui-même pour elle. Vous voyez, la persécution pourrait venir, les moqueries pourraient surgir, peut-être entre mari et femme. Présentement, ce que vous espérez n'est pas dans la famille et les parents de l'homme. Ils disent que quel type de femme s'agit-il? On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Et les plusieurs eaux, les grandes eaux de critiques ne peuvent éteindre cet amour. Les grandes eaux, je ne sais pas que ça peut arriver comme ça. Je ne sais pas que ce sera comme ça. Et tous ces défis et ces restrictions. Et je ne sais pas qu'on aura un tel type de pauvreté. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Cela dit que l'amour est superbe et suprême. Et les autres hommes peuvent essayer de vous amorcer, de vous attirer. Peut-être que tu as fait une grande erreur dans ce mariage-là. Tu n'as pas ceci et cela. Si tu viens à moi, je peux te donner ceci et cela. Je peux te pouvoir ceci et cela. Je dis, non. Mais toutes ces choses que les gens te promettent hors de ton mariage ne vont pas affecter ton amour. Tu dis que merci beaucoup, mon mari est mon mari. Et c'est le plus grand et le plus élevé roi de l'univers pour moi. À part Christ, il est le prochain, le voisin. Et ma femme est ma reine. À part Christ, ma femme est la suivante. Donc, vous n'échangez pas ce que vous avez contre une autre chose. La première colonne, c'est l'amour. Je reviens à Éphésiens chapitre 5, 25. Éphésiens 5, 25. Nous voyons la deuxième colonne. C'est le sacrifice de soi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré. Un homme avare ne peut jamais faire une bonne famille. Une femme avare ne peut jamais faire une bonne famille. L'une des colonnes dans la famille, c'est l'abnégation, le fait de s'effacer. Vous vous donnez vous-même, vous rappelez, il s'est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et quelle est la démonstration de cet amour? C'est le fait de se sacrifier. Alors, au fait, je veux prendre cela, mais cela doit aller à ma femme. Au fait, je voudrais en jouir pour moi-même, mais je donne cela à mon mari.
je voudrais prendre soin de ma famille, je voudrais prendre soin de ma famille collatérale, et mes voisins, mes cousins, autre chose, sœurs et frères, etc. Mais mon mari est le numéro un. Je voudrais prendre soin de mes frères et qu'on a grandi ensemble, mais ma femme est le numéro un. Et donc, tu sacrifies tout pour prendre soin de la femme là. Tu prends soin de ce mari là. Il s'est donné lui-même pour elle, pour l'église. On va à Ésaïe 58. Et je lis verset Ésaïe 58, verset 7. Ésaïe 58, verset 7 qui dit: partage ton pain avec celui qui a faim. Tu ne vas pas permettre à ton mari d'être affamé, ni permettre à ta femme d'avoir faim, ni permettre à tes enfants d'être affamés. Et tes parents, qui déjà tu es enfant, tu travailles déjà, tes parents, alors ils vous ont formé et ils vous ont éduqué, vous avez des choses dans ce monde. Vous n'allez pas tout manger pour vous-même, parce que vous faites partie de cette famille. Et partage ton pain avec celui qui a faim. Et ton père a faim et tu ne regardes même pas sa direction. Ta maman a faim, tu ne regardes pas sa direction. Tes enfants ont faim, tu regardes ailleurs. Où est l'amour? Où est la colonne qui soutient la maison? Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Disons, l'un de tes enfants un de tes enfants dépasse 18 ans, 21 ans, et que je t'ai envoyé à l'école, maintenant, vraiment, tu es licencié, maintenant, si tu n'as pas de travail, ça, c'est ton affaire. Non, il est pauvre, et il n'a rien. Il fait partie de la famille. Alors il a fini son université, il fait partie de la famille, alors il n'étudie plus, il n'est plus sur le banc. Oui, il fait partie de la famille. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Regardez ceci. Et ne te détourne pas de ton semblable. De ton semblable. Mari et femme doivent être une seule chair. Que vous ne vous cachez pas, vous ne vous détournez pas de votre semblable. Ils ont besoin des choses matérielles pour se couvrir. Ils ont besoin de ceci et cela pour pouvoir se nourrir et ne pas mourir de faim. Alors vous n'allez pas dépenser tout votre revenu pour toi seul. Alors, il faut avoir le respect et la préférence à celui-ci qu'il prenne le premier point. Voyez ce qu'on a. J'ai ceci, j'ai cela. Je me rappelais bien que s'il a l'argent dans l'autre à compte, et c'est tout ce qu'on a dans le compte là. Donc, on fait sortir toutes choses et tu dépenses pour elle. Tu dépenses sur la femme ou tu dépenses sur l'homme. Il y a l'abnégation. Je viens au troisième, à la troisième colonne. Éphésiens 5 et verset 26. Ceci, c'est la justice. La justice. La justice est une colonne dans la famille. Éphésiens 5, nous lisons le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ouais, cela parle du fait que le mari aime sa femme et que Christ aussi a aimé l'église. Et il continue de dire que Marie, aimez vos femmes. Alors voici ce que Christ a fait pour l'église. Vous comprenez que la femme doit être juste, le mari doit être juste. Au fait, on dit en Apocalypse 19, 7. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Cela parle de l'église et s'est dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Alors, elle s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
la justice de la famille. Marie, le mari est juste. Oui, tu es juste pour toi afin d'aller au ciel. Tu es juste afin que ta femme puisse avoir confiance en toi. Que la femme dise que oui, n'importe où mon mari se rend, avec qui mon mari discute, je sais que mon mari demeure saint. Et parce qu'à cause de cela, le cœur de la femme est heureux et reposé. La même chose avec le mari. Je sais que partout ma femme se rend, je sais qu'elle sera juste. La justice est une famille dans la famille. La justice est une colonne dans la famille. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tout et le lit conjugal exempt dessus, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Numéro 4, le soin détaillé, un soin entier. Éphésiens 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Mon frère, comment vous vous sentez lorsque votre femme est affamée? Comment vous vous sentez lorsque toi-même tu as faim? Alors, vous devez tout faire, que vous prenez soin de votre femme, vous prenez soin de la femme, vous la vêtez et vous hébergez la femme. Et c'est dit que celui qui prend soin de la femme, et c'est dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre. Vous ne pouvez pas avoir l'argent à la banque alors que la famille est dans le besoin. Alors il faut faire sortir de l'argent de la banque. On travaille, on fait tout pour que on prenne soin de la femme, qu'on prenne soin du mari, qu'on prenne soin des enfants et des parents. Donc, Premier Thessaloniciens 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Une maman doit être douce, comme on emmène un malade à l'hôpital et on prend soin du malade. Alors, c'est ainsi que la maman doit prendre soin de ses enfants, aider l'enfant pour que l'enfant soit en état. La maman doit être la première personne pour prendre soin de son enfant, que l'enfant soit en bon état. Verset 8. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous. La présence du mari ne vous énerve pas. La présence de la femme ne vous énerve pas. Tu ne peux pas dire à ta femme que retourne à la maison. Je vais dépenser de l'argent. Vous devez laisser votre femme, laisser les enfants, laisser le mari, laisser.
tu veux dire encore là? Le mari aime la femme tant que il est prêt à partager avec sa femme. Nous parlons des soins entiers pour le partenaire. 1 Timothée 5, verset 4. 1 Timothée 5, verset 4. 1 Timothée 5, 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'elle apprenne avant tout à exercer la piété. Vous devez repayer cela et prendre soin de votre papa, prendre soin de votre maman. C'est dit au verset 8 que si quelqu'un ne pouvait pas à ses parents, ton papa est un veuf, ta maman est une veuve. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, et tu es un père, tu es jeune, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu dois pouvoir à tes enfants et à toute la famille. Si tu es une maman, tu travailles, tu es bien positionné, tu as un bon poste plus que ton mari, tu dois rendre tout disponible. Tu ne dois pas dire que c'est moi qui ai travaillé pour cela. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Nous allons pouvoir à nos besoins. Et numéro 5, c'est une unité inséparable. Une unité inséparable, c'est une colonne. Il n'y a rien qui se produit qu'on pense à la séparation. Il n'y a rien qui arrive et qu'on pense au divorce. Il n'y a rien qui arrive et qu'on pense à quitter le Seigneur. Il n'y a rien qui soit arrivé et qu'on pense à aller arrêter tout seul. Une colonne de la famille, c'est une unité inséparable. Éphésiens chapitre 5 verset 30 qui dit: parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une unité inséparable. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Il veut que le mari et la femme soient ensemble, qu'ils vivent ensemble, qu'ils bravent tout défi ensemble. S'il y a un problème dans la famille, ce n'est pas l'heure de penser qu'il faut que je quitte cet homme. Et vous avez, tu as tes raisons que mon mari, je pense aller visiter
aller rendre visite à ma maman, je pense aller rendre visite à mon oncle. Pourquoi tu veux quitter avec ce défi? Deux valent mieux qu'un. Si vous deux, vous êtes là, vous pouvez prier ensemble, manifester la foi et vous pouvez faire un brainstorming et voir comment résoudre le problème. Mais lorsqu'il y a le problème, il y a la difficulté, c'est le moment que je veux rendre visite à mon oncle et je veux passer quelques jours dehors. J'ai besoin de temps pour avoir une retraite de prière en ce temps-ci et quitter l'homme là, que l'homme là soit là tout seul. Une unité inséparable. Et voyons Matthieu chapitre 19. Matthieu 19 et je lis verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu? Il faut lire votre Bible, il faut lire la parole de Dieu. Il y a un défi dans la famille, il faut retenir la Bible. Il y a une tentation dans la famille, retenir la Bible. Il y a une épreuve dans la famille, retenir la Bible. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, l'homme un, une femme un, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et s'attachera à sa femme, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. C'est comme on a pris une colle pour joindre deux choses, pour séparer ceci de l'autre là. Vous allez détruire les choses. Ne pas séparer ce que vous avez collé. Le mari et la femme, par l'alliance du mariage, sont collés ensemble. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils sont inséparables. Et verset 6 dit, ainsi ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que l'homme a joint. Nous retournons à Éphésiens chapitre 5. Et je lis versets 32 et 33. Numéro 6, c'est le respect mutuel. Le respect mutuel. Éphésiens 5, je lis verset 32. 32 dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et que la femme honore son mari. Alors, il faut qu'il y ait ce respect de la part de la femme à son mari. Voyons l'autre côté, du mari à la femme. Parce que ceci est un respect mutuel. 1 Pierre 3, chapitre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Alors, il faut, comme avec un sexe plus faible, honorer-la. Alors, comme le mari respecte la femme respecte le mari. Comme la femme respecte le mari respecte la femme. C'est réciproque, c'est mutuel. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, que votre prière ne soit pas empêchée. Numéro 7, c'est la soumission. Éphésiens chapitre 5, je lis verset 21. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Où est cela? Alors, c'est deux côtés, c'est bilatéral.
vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos maris selon le Seigneur. Respectez-le, appréciez-le, honorez-le dans votre pensée, dans votre cœur. Faut pas le mépriser. Et cela vous sera facile de vous soumettre à votre mari selon le Seigneur. Parce que, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. 24. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Dites-moi le reste. Dites-moi le reste que je vous entende. Je veux entendre votre voix. À leur mari en toutes choses. En toutes choses. On va à Genèse 21. Genèse 21, verset 10. Genèse 21, verset 10. Genèse 21, verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. On a appris que la femme doit se soumettre à son mari. La femme a dit quelque chose à son mari Abraham. Abraham a dit, mais comment cela peut être? Je suis le chef de la maison, je ne crois pas comme ça, cela ne doit pas être. Mais voyons ceci, mais Dieu a dit Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car il faut écouter à sa voix. Il faut écouter sa voix. Il faut te soumettre à elle. Écoute, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Ce qu'on dit, c'est que la soumission est bilatérale. Parfois, la femme aurait une bonne idée. Comme on discute et ceci et cela. Et le mari se soumet à la suggestion, à la stipulation, à ce que la femme dit. Autrefois, vous avez une bonne idée, et la femme se soumet à cela. Les sept colonnes dans une famille pieuse. 1. L'amour. 2. C'est l'abnégation. 3. La justice. Numéro 4. C'est les soins absolus. 5. Une unité inséparable. 6. Le respect mutuel. 7. C'est la soumission. Et deuxième point maintenant, c'est le partenaire supporteur. Le partenaire supporteur pour une plus grande fécondité. Nous allons à Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui convient au devoir que je lui ai donné. Au fait, comme le Seigneur a donné le devoir à Adam d'assujettir la terre, d'avoir la domination sur toute la terre, et tout seul, il peut être fécond, mais le Seigneur a amené tous les animaux à lui, les animaux de chaque espèce, et Adam a donné des noms aux animaux. Et le nom qu'il a donné, c'est le nom qu'il porte. Il était créé tout au complet. Il était créé déjà fécond. Il était créé bien connaisseur, intelligent. Il a tout. Mais Dieu a dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas convenable que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, pas une aide qui va le ralentir, pas qui va détruire ses plans, pas qui va ôter de ce qu'il doit être ou ce qu'il doit faire.
mais cela va lui donner une plus grande fécondité, un plus grand succès. Le pourquoi à Ève était créé pour Adam, c'est pour que Adam réussisse plus, c'est que Adam fasse plus de progrès, qu'Adam ait plus de fécondité. C'est pourquoi la femme vous a été donnée, quoi que vous soyez fécond, visionnaire au départ, mais avec la femme, avec l'arrivée de la femme, ce sera vraiment un grand soutien, support pour vous. Et le partenaire supporteur pour une plus grande fécondité est 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. L'homme a déjà l'appel. La femme, l'homme a déjà la profession. L'homme a déjà l'alliance du Seigneur et la femme a été créée pour supporter l'homme. Et c'est dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Nous allons au chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est pour supporter le mari, afin que le mari ne fasse pas, ne soit pas confronté aux tentations et ne fasse pas face au dessein de l'ennemi qui voudrait le renverser. Donc la femme doit supporter le mari de cette manière. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Verset 4. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous trichez pas l'un l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Verset 16 dit, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Peut-être votre mari a une faiblesse particulière. Maintenant, Dieu vous a amené dans sa vie et vous êtes forte dans ce domaine. L'homme est faible dans ce domaine. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous a amené à cet homme afin que vous soyez celle-là qui le protégera? Voyons la deuxième partie. Où que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Verset 34 dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et la femme non mariée n'a pas de responsabilité envers un homme. Elle peut quitter sa maison, aller rester avec ses amis, passer le week-end parce qu'elle est toute seule. Elle peut dire que je vais aller évangéliser au village et rester là-bas tout le temps de son congé. Et après tout, elle est toute seule. Alors, elle n'est pas mariée. Voilà la deuxième partie de ce verset. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, elle doit aller au marché, ce sont des choses du monde, elle doit chercher à faire le ménage, ce sont les choses du monde, elle doit chercher comment prendre soin de ceci, prendre soin de cela, voir les choses temporelles et des moyens de plaire à son mari, des moyens de plaire à son mari. Alors, c'est une partenaire super supporteuse lorsque le mari
là, toutes les difficultés ôtées et les tentations sont ôtées et il est libre d'aller par-ci, par-là. C'est pourquoi vous êtes venu dans sa vie, c'est pourquoi vous, hommes, vous êtes venu dans la vie de cette femme. Genèse 24, 36. Genèse 24, 36. Genèse 24, 36. Genèse 24, 36. Et Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté. Et sa maman était morte, quelque chose faisait défaut dans le cœur, dans la vie de Isaac. Mais maintenant, comme la femme est venue, c'était un bon support, un bon soutien. Et toute l'angoisse qu'elle éprouvait après la mort de sa femme, alors la femme est arrivée et la femme a amené la consolation dans sa vie. Juges 13, 22. Juges 13, 22. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Ici, le mari était confus au fait. C'est une superstition que nous avons vu Dieu, que sans doute nous allons mourir. Ma femme, toi et moi, nous mourrons parce que nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. C'est la femme maintenant qui a dissipé la crainte de l'homme. C'est ce qui arrive. Lorsque le mari craint quelque chose, lorsque le mari a vraiment certaines difficultés et il donne, il parvient à une mauvaise conclusion. Et la femme, parfois, c'est la femme de façon simple dit que mon mari, non, c'est pas ça. Ayons foi en Dieu. Si le Seigneur ne va pas se rappeler de nous, pourquoi nous montrera-t-il ceci et cela? Et cela est devenu un grand soutien et une grande stabilité pour la femme. On va à Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, verset 19. Une partenaire supporteuse pour une grande fécondité. Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, cela parle de Pilate qui allait juger le Seigneur Jésus-Christ. Et toute la foule des Juifs et le poussait. Fais-le maintenant. Et dit et prononce le verdict. Alors il doit mourir et être crucifié. Verset 19 dit, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme lui a envoyé dire, la femme a envoyé le dire que oui, voici. Si vous, l'homme est là à prendre une décision qui détruise la famille ou les affaires, ou l'amener au jugement du Dieu Tout-Puissant. Et tu es femme, tu es là, tu peux tout voir clair, alors que ton mari ne voit pas bien. Tu as la vision claire de ce qui va se passer si votre mari fait cela. Et puisque vous avez une connaissance plus claire, alors vous allez envoyer à votre mari. Alors c'est pourquoi vous êtes là, vous êtes une supporteuse à ce mari. Verset 24 dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et c'est ce que la femme lui a dit, « Faut pas t'immiscer dans cette affaire, n'y plonge pas ta main, ne signe pas cet accord, parce que ce sera quelque chose de terrible. » Nous allons au proverbe.
Proverbe, chapitre 14. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. La maison de l'homme, la femme sage bâtit sa maison. Sa maison. Vous êtes vigilante. La femme regarde le pas que fait son mari. Elle ne dit pas, moi je n'ai pas de souci pour elle. Moi, je ne connais rien de lui. Je n'ai pas sa vision. Je n'ai pas son appel. Je n'ai pas ceci et cela. Et qu'il considère cela lui-même. Je vais continuer à prier pour lui. S'il se plonge dans des bévues, dans des erreurs, ça fait son colis. Mais s'il va la bonne direction, bonne chance à lui. Non, vous faites partie de sa profession, de son rêve, de ses propositions. Et c'est dit que la femme sage bâtit sa maison. Je prie que vous soyez constructeur. Je dis que vous soyez bâtisseur. Je serai bâtisseur. Je dis, moi, je serai bâtisseur. Et ce faisant, le Seigneur nous bénira au nom de Jésus-Christ. Voyons, Proverbe 31. Une partenaire supporteuse qui aide la famille, qui aide le mari à aller à un niveau très élevé pour une plus grande fécondité. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. C'est-à-dire que partout où se trouve le mari, où que ce soit là, se trouve la femme, il y a une bonne compréhension entre le mari et la femme, que le cœur du mari se confie en elle. Et c'est dit au verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle ne va pas le renverser, elle ne va pas le déchirer, elle ne va pas le décourager, elle ne va pas sinon faire perdre la confiance de l'homme en ce qu'il peut faire et le voyage qu'il peut faire et les œuvres qu'il peut accomplir. Mais elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. L'occasion est là pour la femme de travailler. Elle ne dit pas que non, je ne suis pas le mari, c'est le mari qui doit travailler. Toute occasion, opportunité que j'ai de travailler pour amener de l'argent à la maison, je ne vais pas faire cela, c'est pour l'homme. Non, vous devez le faire. Si c'est à vous de travailler, donc vous devez travailler de vos mains. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Si vous devez pourvoir la famille en ce temps-ci que peut-être le mari est sans boulot, donc vous devez faire cela. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Femme, pourquoi on n'a pas ceci dans la famille? Pourquoi on n'a pas ceci? Je t'attends. Tu es l'homme. C'est toi qui dois travailler. Et l'argent que tu as, moi je suis une femme, donc tu ne vas pas vouloir que ta femme te nourrisse, que ta femme prenne soin de toi. Est-ce que tu veux ça? Oui, je le veux. Si je n'ai pas, si toi tu as, ce que tu as nous appartient, ce que j'ai nous appartient ensemble. Verset 17, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle a assez d'huile. Elle a assez d'huile. Et sa lampe brûle, s'allume à tout moment et ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle donne au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Si le mari est indigent, et si les enfants
sont nécessiteux et si les voisins sont nécessiteux, elle leur donne ce qu'il faut. Si dans la famille collatérale, il y en a besoin, donc elle soutient. C'est ce que Dieu espère de la femme chrétienne dans le au verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Son mari est respecté aux portes à cause de la qualité de la femme qu'il a, à cause du caractère de sa femme. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle fait tout. Elle ne fait rien de disgracieux et d'irrespectueux. Elle ne fait rien de déshonorant à son mari. Au fait, le mari aussi à son mari, à sa femme, le mari ne fait rien pour déshonorer, pour disgracier sa femme. Elle se réjouit, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle n'ouvre pas une tombe pour la famille par sa langue. Elle n'use pas de sa langue pour creuser une fosse, une tombe pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants. Avant de dire quelque chose, elle dit comment cela va affecter mon mari. Si elle va dire quelque chose, comment cela va affecter mes enfants. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Parfois, on vieillit en tant que femme et la beauté n'est plus la chose principale que les gens cherchent, mais c'est le caractère, c'est le comportement qu'on voit. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. C'est la femme chrétienne, c'est la femme pieuse, c'est la femme convertie, c'est la femme gracieuse qui est une partenaire supporteuse à sa famille, à son mari. La partenaire supporteuse pour une plus grande fécondité. Troisième point, les préservatifs spécifiques pour un futur glorieux. Les préservatifs spécifiques pour un futur glorieux. Nous allons aux Actes des Apôtres, verset 16, verset 31. 31 dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est très important pour le mari, pour la femme, pour les enfants, pour chaque membre de la famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Tout le monde dans la famille. Et ils ont répondu à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu doit être partagée dans la famille, comme Paul et Silas, la femme n'a pas dit, non, je me rappelle de sortir maintenant, je dois aller me marier, s'il te plaît, il faut expliquer à Paul pourquoi je ne peux pas rester. Et les enfants vont esquiver d'écouter la parole de Dieu. Papa, je ne peux pas écouter maintenant, excusez-moi, mais c'est digne. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné.
Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et Marie et femme voudraient prendre soin de Paul et Silas. Alors, ils sont maintenant hospitaliers, ils sont convertis. Ils ont expérimenté la conversion. Ils voudraient maintenant prendre soin de Paul et Silas en tant que dirigeants dans l'église de Dieu, apôtres de Dieu, prisonniers affranchis. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru, de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. C'est ce qui nous donne un futur glorieux. Luc, chapitre 1, versets 5 et 6. Les préservatifs spécifiques pour un futur glorieux. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Voyons ceci, verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, âgés mais justes, n'ayant pas d'enfants justes, ils servaient le Seigneur. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de cette famille? Le mari est rempli de l'esprit, la femme est remplie de l'esprit, l'enfant est rempli de l'esprit. Verset 13, voyons l'enfant. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. L'enfant était rempli du Saint-Esprit. Le verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Jean le fils rempli du Saint-Esprit. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Le père, la mère, l'enfant, tout le monde était rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut pour la famille. Que dans la famille, tout le monde soit né de nouveau. Que dans la famille, tout le monde soit sanctifié. Que dans la famille, tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, le salut de la mère ne suffit pas pour le père. Le salut du mari ne suffit pas pour la femme. Et le salut des parents ne suffit pas pour les enfants. Le salut des enfants ne suffit pas pour les parents. Chacun doit être sauvé. Chacun doit être sanctifié. Chacun doit être rempli du Saint-Esprit pour un futur glorieux. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme au singulier. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Le père doit être juste pour lui-même. La maman doit être juste pour elle-même. Les enfants, chacun doit être juste. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ézéchiel chapitre 14, je lis verset 16. Ézéchiel chapitre 14, verset 16.
et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauvera ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Voilà le verset 18. Et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient délivrés. Verset 20. Et qu'il eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. La justice n'est pas quelque chose à transférer. Il faut mettre cela sur le compte de mon enfant, ou bien je mets cela sur le compte de mon mari. Mon mari n'est pas né de nouveau, je lui donne mon salut. Non, tu ne peux pas le faire. Le salut est personnel, la justice est personnelle, aller au ciel est personnel. Et Romains 14 nous dit, Romains 14, verset 12 dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Suis-je sanctifié? Oui, c'est pour moi. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? C'est pour moi-même. Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu? C'est pour moi-même. Vous devez faire pour vous-même. Parce que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Comment se fait-il que le salut du mari n'est pas transféré à la femme, ni le salut de la femme est transféré au mari? Arrivé à l'au-delà. Voyons Luc 20, verset 34. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Le mariage n'est uniquement que pour ce monde, et toute la communion et les colonnes du mariage sont bonnes dans ce monde. » Mais chacun de la famille doit avoir sa vie spirituelle devant le Seigneur et à la résurrection. Et car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu. Les anges ne se marient pas, arrivés à l'autre côté, seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc chacun doit avoir cette qualification gracieuse d'aller au ciel. Je prie qu'aucun d'entre nous ne rate le ciel au nom de Jésus-Christ. Ma femme est sanctifiée, cela suffit pour la famille? Non. Mon mari est juste, cela suffit pour la famille? Non. Chacun dans la famille doit rendre compte à Dieu pour lui-même. Nous allons au psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. C'est une personne, c'est singulier, individuel. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Je prie que tout ce qu'il faut pour que vous alliez au ciel soit possédé au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 5, verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Apocalypse 20, chapitre 20, je lis verset 15. Apocalypse 20,
Verset 15. Quiconque, un homme, une femme, un enfant, quiconque le mari, la femme sauvée, ou avec le mari sanctifié, quiconque, l'enfant d'un prédicateur de sainteté, ou les parents d'un enfant de sainteté, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Vous ne serez pas là. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le futur glorieux est pour nous au niveau individuel, dépendant du fait qu'on soit sauvé individuellement, dépendant du fait que chacun soit sanctifié. Je prie que le Seigneur vous trouve fidèle, qu'il me trouve fidèle. Que le Seigneur me trouve fidèle. Vous le serez au nom de Jésus-Christ. Qu'allons-nous donc faire? Osée chapitre 10. Osée 10, verset 12. Osée 10, 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Est-ce que votre cœur est dur? Il est temps. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de rechercher. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il répandra la justice sur nous. Il répandra la justice sur nous au niveau individuel, sur notre famille. Rappelons-nous notre famille et que tout ce que Dieu veut soit dans notre famille. L'amour, l'abnégation, la justice, les soins absolus, le respect mutuel et la soumission, que cela soit dans notre famille au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu va se multiplier dans nos familles. L'amour de Dieu va s'accroître dans notre famille. Et le progrès qu'il a ordonné pour chacun de nous, le progrès sera plus vite dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Puisse le Seigneur vous exaucer, que puisse le Seigneur vous répondre, qu'il vous donne le bon désir de votre cœur pour vous, pour votre famille et pour la famille de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit la meilleure année de votre vie depuis que vous êtes marié au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur déverse la bénédiction sur vous. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Que la bénédiction se multiplie. Comme la prière monte vers le Seigneur, que le Seigneur accomplisse son plan, son objectif de progrès pour chaque famille et qu'il rende nos familles pieuses, justes, gracieuses au nom de Jésus-Christ.